Inshallah Bahasana. Commencez toutes les asanas par la position du lotus, en vous asseyant sur le sol avec les jambes repliées, les yeux fermés et en respirant normalement. Allongez-vous sur le ventre. Placez vos mains sous vos cuisses, les paumes sont en contact avec vos cuisses. En respirant à fond, levez la jambe gauche vers l'arrière au maximum. Retenez votre souffle et gardez la jambe dans la même position aussi longtemps que possible. Baissez la jambe lentement en relâchant la respiration. Répétez l'exercice avec le genou droit. Contrôlez la respiration, les mouvements doivent être aussi lents que possible quand vous levez et baissez les jambes. Le contrôle de la respiration est une partie vitale dans toutes les asanas, donc autant que possible, gardez votre souffle sous contrôle. En respirant, levez les deux jambes aussi haut que possible. Restez dans cette position aussi longtemps que vous pouvez retenir votre souffle. Baissez les jambes lentement en expirant. Cette asana fortifie le dos, l'abdomen, les muscles des jambes et les articulations des hanches. Inshallah Bahasana. Allongez-vous sur le ventre. Placez vos mains sous vos cuisses, les paumes sont en contact avec vos cuisses. En respirant à fond, levez la jambe droite vers l'arrière au maximum. Retenez votre souffle et gardez la jambe dans la même position aussi longtemps que possible. Baissez la jambe lentement en relâchant la respiration. Faites le même exercice avec la jambe gauche. Contrôlez la respiration, les mouvements doivent être aussi lents que possible quand vous levez et baissez les jambes. Le contrôle de la respiration est une partie vitale dans toutes les asanas, donc autant que possible, gardez votre souffle sous contrôle.